Bon, du coup, je viens de finir de pousser la cuve à eau. Donc là, je mets mes gaines dans le sol. Je vais faire passer mon câble, tac, pour électrifier ma petite maisonnée. Tout est bien gainé correctement. Là, on pourra pas dire que je l'ai pas fait. J'ai passé tout ça dans des morceaux de gaines de récupération. Et après avoir tout bien calé dans le sol, bah, bien évidemment, j'ai remis la terre par-dessus, ce qui donne quelque chose de très, très propre. Dites-moi. Donc voilà, c'est renterré nickel. Donc maintenant, plus qu'à raccorder à l'intérieur du bâtiment. Bon, j'ai passé ma gaine directement ici. Maintenant, on va la mettre à l'intérieur. Et donc voilà, j'ai remis en place ma tuile avec son système tout simplement de gouttières pour remplir ma cuve. Donc on va se monter une prise de courant étanche. Donc hop, à l'intérieur, ça se présente tout simplement comme ça. Donc il y a une partie prise de courant. Donc on va venir enchâsser nos câbles de couleur directement dedans. Et voilà le résultat après quelques temps, un travail noble d'artisan. On peut le dire, franchement, c'est du bon boulot, je suis très content de moi. Donc là, je vais rajouter le cache par-dessus. Bon, alors par contre, elle n'est pas étanche parce que j'ai pas mis le caoutchouc, mais flemme de le remettre. Et puis là, de toute façon, on sera à l'intérieur. On sait pas la plus grande étanchéité, mais bon, elle va pas aller sous l'eau non plus. Donc tout est correctement fermé. On va brancher un appareil de 2000 watts pour faire le test. Attention, allumage. Ça fonctionne. Je vais laisser quelques minutes, mais en tout cas, pour le moment, ça a l'air nickel.